l'application Esprit, association de développement personnel à Salon de Provence, art, communication, esprit. L'association de développement personnel donne la possibilité d'effectuer des stages de développement personnel et de ressouder un groupe en s'y intégrant différence, complémentarité, c'est-à-dire que chacun apporte ses richesses personnelles pour la meilleure optimisation du groupe. Tout comme en recherchant sa place par rapport à autrui. En fait, une place respective de chacun par rapport à chaque personne. Maturation visant l'autonomie, le sens des rapports humains et l'approche de l'être humain dans le monde. Schéma unitaire et corollaire du corps, de l'esprit et de l'âme. En fait, un ensemble entre les trois partenaires, donc corps, esprit et âme. La communication y est encouragée par la prise de parole et d'écoute active et diverses techniques de communication y sont centrées ou abordées, notamment la lithothérapie, le soin avec les cristaux, le Reiki, l'énergie universelle, la PNL, la programmation neurolinguistique, la dédramatisation dénouée, la respiration, la relaxation, énergie, feng shui, cristallothérapie, mass media moderne avec le maquettisme, mise en forme d'une affiche, technique audiovisuelle, support publicitaire, journaux, etc. Ou échange de savoir-faire et savoir-vivre pour la transmission d'un message ainsi que certains supports médias de l'inconscient en vue d'une régularisation pour un meilleur bien-être et de compréhension de soi, d'autrui et du monde. Le thème de travail utilise, met à jour ou produise, entre autres, la peinture ou le dessin, la photographie, la lecture, l'écriture, l'enregistrement audio-vidéo, la musique, la gestuelle, la kinesthésique, la danse de l'être, le chant, le jeu de marionnettes éventuellement, ou autres moyens d'expression, improvisation, pour la mise en commun, lors de réunions planifiées à l'avance, en vue de l'établissement, pour chaque participant, des notions comme la confiance, le respect, la bonne volonté, la sincérité d'épanouissement, la participation réelle et l'engagement dans le présent, le civisme, l'entraide et le soutien moral du groupe. Chacun coopérant avec le souhait sincère d'accoucher son vrai être, la tolérance, l'humour, la méditation, tout comme l'esprit critique, la liberté, la conscience, l'évolution psychomentale et l'équilibre. Mise en valeur de l'inspiration de la nature, écoute de ses ressources propres en vue d'approcher une harmonie entre les fonctions de synthèse
et d'analyse. Donc la mise en corrélation des deux hémisphères cérébraux, synthèse et analyse. Recherche de méthodologie et communication propice à ce travail dans le groupe, sous forme notamment de séminaires. Préparation en commun en vue d'une meilleure connaissance de ses rêves et de ses ressources créatives, propres dans l'objectif de les canaliser et de les mémoriser. Procédé de structuration ou de processus de symbolisation, entre autres la formulation par la parole ou d'autres formulations écrites ou etc. Prise de recul et mise en évidence de ses propres priorités. Formulation, reformulation, réajustement. Promotion des artistes par toute voie de communication, incluse informatique, telle la mise à jour d'un site internet avec mail ou d'un journal de l'association Art, Communication, Création, commune, plutôt à intérêt artistique. Interprétation conditionnelle sur les supports utilisés dans le groupe ou partage avec le grand public lors d'expositions, de conférences, de manifestations, diffusions ou de tables rondes, etc. ou de sorties, visites, rencontres, échanges culturels. Voilà un peu ce qui regroupe art, communication, esprit à Salon de Provence pour le développement personnel. Association Loi 1901, on attend de vous rencontrer. À votre écoute. Lithothérapie, mot M-O-T-S, ou la santé par les pierres. La lithothérapie, ou la santé par les cristaux, ou les pierres précieuses, semi-précieuses, entre autres, comme de nombreuses médecines parallèles, alimente le débat aujourd'hui entre croire et savoir. Qu'y a-t-il de crédible dans toutes ces légendes millénaires sur les bienfaits des pierres
pour la santé, pour l'être humain. Quelles sont les preuves scientifiques de l'efficacité de ces méthodes par les soins avec les cristaux, donc de la lithothérapie? Qui sont ces gens qui se retrouvent autour de ces thèmes communs, inspirés par la mère Terre, c'est-à-dire la nature, et inspirés par des grands initiés ou des gens qui ont fait de leur vie une foi spéciale pour approcher ce monde minéral ?